Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction au tout nouveau titre de IU avec 8. Donc je crois que c'est la première fois que je réagis à IU sur cette chaîne, mais j'étais en quelque sorte un petit peu obligée. J'étais pas obligée, mais c'est une chanson qui a été produite par Suga de BTS, et il a même des petits morceaux dans cette chanson, il est en featuring aussi, donc il fallait que je réagisse à cette chanson. Et même IU, c'est une artiste féminine que j'aime beaucoup. Je pense que je la préfère en tant qu'actrice que chanteuse, parce que ses chansons, j'en ai pas écouté énormément, mais celles que j'ai écoutées, j'ai pas plus accroché que ça. Par contre, en tant qu'actrice, je trouve qu'elle est, je sais pas, c'est juste une femme magnifique. Elle joue extrêmement bien, je sais pas, j'aime beaucoup cette femme, en fait je l'apprécie en tant qu'artiste. Du coup, je trouve ça hyper intéressant, j'ai envie de voir ce que ça donne, parce que c'est mon petit Suga qui a produit cette chanson. Donc voilà, mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à liker cette vidéo à n'importe quel moment de la vidéo, même maintenant, même si vous l'avez pas encore vue. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce comeback si vous l'avez déjà vu. Et même me donner n'importe quelle idée de vidéo si jamais vous en avez et qu'il y a des choses que vous voudriez voir sur ma chaîne, même si ça n'a rien à voir avec mes vidéos réactions. N'hésitez pas, laissez votre avis, on sait jamais. Et je voulais également vous parler de la boutique K-pop. Donc c'est une boutique qui vend des articles K-pop, donc aussi bien des vêtements, des masques, des bijoux, des goodies, vous avez aussi des lipsticks officiels, et qui possède un compte Instagram et un compte Twitter si jamais vous voulez aller voir. Elle a également un site internet, et si je vous en parle, c'est parce que j'ai un code promo, donc Marine15, Marine tout attaché en majuscule, qui vous offre moins 15% sur votre commande. Donc c'est toujours intéressant de faire des économies quand on peut, donc surtout n'hésitez pas à aller checker ça si jamais des choses vous intéressent et que vous vous disiez non, c'est trop cher, une prochaine fois je vous offre cette prochaine fois. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis écoutez, on va tout de suite commencer avec la chanson. Allez, c'est parti. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre pour le coup, parce que en tant que chanteuse, je l'ai pas vraiment vue pour le coup.
C'est un rêve. Désolée pour la petite interruption, du coup j'ai pas été extrêmement concentrée, mais ce que je voulais dire c'est que je m'attendais pas du tout à ça parce que sa dernière chanson c'était une chanson vraiment très calme, j'avais pas vraiment accroché, je sais même plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Et là, contrairement à son précédent comeback, c'est très entraînant, c'est un rythme très entraînant, franchement j'aime bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Suga, on l'a entendu vraiment pas beaucoup, mais en même temps c'est une chanson d'Ayu. Il l'a surtout produit, il a juste une petite ligne à un moment. Les paroles sont vraiment pleines d'espoir. Franchement, c'était vraiment bien. Le MV était hyper intéressant parce qu'en fait, je pense que c'était un espèce de rêve. Et à un moment, on a basculé en dessin animé. Genre j'ai trouvé vraiment le MV esthétiquement très bien fait, très beau. De toute manière, elle est très belle de base. Ce qui serait bien, c'est que je le re-regarde en étant un peu plus concentrée cette fois-ci. Donc désolée, mais c'est vrai que pour du coup ma réaction, ma première réaction, elle est un peu biaisée. Parce que j'ai eu une interruption, une visite surprise en plein milieu. Et je ne l'ai pas arrêté parce que c'était pas long, mais c'est vrai que ça m'a déconcentrée et du coup j'ai perdu le fil. Mais déjà, comme ça, je peux dire que vraiment je suis agréablement surprise et que j'aime vraiment plutôt pas mal en fait. Vraiment, donc bravo, bravo à la fois pour Suga qui a produit cette chanson et à la fois pour Ayu qui l'a interprétée et qui l'a quand même chantée. C'est un super bon travail. Donc voilà. En quelques mots, c'était donc ma réaction à ce nouveau titre de IU avec 8. J'espère que ça vous a plu, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Maintenant que la vidéo est finie, vous pouvez la liker si vous ne l'aviez pas encore fait. Et surtout n'hésitez pas toujours, les commentaires, c'est là pour ça. Et également, ben, tout simplement, mon code promo sur la boutique K-pop qui vous offre moins 15%. Écoutez, c'est tout. Moi, je vais vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée ou alors une bonne soirée. Et puis, on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut!